Eh ben, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Mais sans la lessive. Les gens, mais ils font quoi? Tu mets ton livre dans la machine à laver? Je suis dégoûtée. Je sais pas ce qui m'a pris. Pardon! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai un petit peu le teint hâlé. En ce moment, on s'est trouvé un petit spot. Un peu pas trop loin de chez nous. Pour aller faire des pique-niques et tout. Et c'est trop bien parce qu'on a l'impression qu'on est dans notre jardin. Mais en fait, on est en face des chevaux et tout. Bref, c'est trop bien. Suivez-moi sur Instagram. J'ai mis des petites photos du caramel qui est un pur sang. Pour aller se balader, comme on emmène tout notre barda, on a fait la découvertance d'une marque que, enfin, franchement, j'ai trop adoré le concept. C'était sur Influence for You. Déjà, moi, dès que je vois des sacs à dos, tu vois, ça m'intrigue parce que c'est des trucs dont on se sert très souvent. Et là, j'ai trouvé le concept génial parce que c'est un sac à dos, en fait, avec la pochette de devant qui est interchangeable. Tu vois, elle est avec des petites pressions comme ça. Et c'est hyper qualitatif. Tu vois, c'est tenu comme ça par un petit truc. Si je me mets sur la table, tu vas pas me voir. Non. Ouais, elle tient comme ça. Donc, c'est Made in France. Et t'as la petite pochette. Donc là, t'as ton sac à dos qui est super canon. J'aime trop ici la anse pour tenir et tout. Et donc la pochette interchangeable. Donc ça, après, tu peux la prendre. Tu mets la sangle dessus. Tu peux mettre donc soit en banane, comme ça. Tu vois, en plus c'est grand. Hein. Je te montre la marque, c'est ça. Make my pack. Made in France. Represent. Tu peux la mettre en trekking, comme ça, tu vois, sur le côté. Et donc avec le sac à dos, tu as dos colores. Donc nous, on a choisi noir et bleu. Mais quand je te dis qu'il y a un truc de fou comme choix, c'est un truc de fou. Ton sac à dos, tu choisis la couleur et après tu choisis ce qui va avec. Tu as du rose, du turquoise, du bleu, du vert, des motifs, de l'uni. Vraiment une combinaison infinie. Je te mettrai le site en barre d'infos parce que vraiment j'ai adoré. Et puis surtout, c'est des bonnes matières quoi. Donc déjà, le concept est génial. Et en plus, le truc est vraiment costaud. Regarde le dos. C'est renforcé et tout. C'est hyper rigide. On dirait les trucs des motards. Et moi, j'adore le design sans pochette devant. Je trouve ça un peu montagnard, tu vois. Ça a du caractère. J'adore. Je conseille, je valide. Poignée clip, bretelles réfléchissantes et airflow système, tissu résistant. Tous nos sacs sont couverts avec 50 garanties product life. Bon, sur ce, comment ça va? Moi, ça va. Je t'avoue que je suis un petit peu angoissada par le déconfinement. Je sais pas. Qu'on puisse repartir de partout, qu'il y ait plein de gens de partout, et qu'on soit obligé d'être content que les bars et les restaurants rouvrent, alors que franchement. Mais j'ai discuté avec pas mal de gens et je ne suis pas toute seule en fait, et ça me rassure. Sur ce, j'ai reçu deux box, two boxes, alors on va les ouvrir parce que une box est faite pour être ouverte. Allez, on ouvre la belle au naturel. C'est parti, mon kiki. Le thème de ce mois-ci, c'est instant douceur. Of course, on en a besoin. Alors, premier produit, il me plaît de ouf. Juste au packaging, tu vois, que je reconnais. Je n'ai même pas vu ce que c'était encore, mais j'avais testé de cette marque-là et mon grand assistant aussi. C'est un masque à l'odeur de fruits confits. Et donc là, nous avons une crème de nuit. Alors moi, tu le sais, je ne me mets pas de crème. Je n'aime pas la sensation des crèmes. Laissez-moi tranquille avec les crèmes anti-rides et machin. J'aurai des rides quand j'aurai des rides. Ok. Elle coûte 38,50 €. Nourrissez et détoxifiez votre peau durant la nuit, sachant que la nuit, c'est là où ton corps se régénère, tu vois, où la peau se répare. En fait, quand tu laisses ton corps au repos, et ben c'est là qu'il se régénère, tu vois. Donc, soit tu le laisses. Comme les antibiotiques, c'est pas automatique, tu vois. Plus tu habitues ton corps à quelque chose pour qu'il se reconstruise, plus, bah, si t'as rien à lui donner, bah, il se reconstruit moins bien tout seul. Tu vois, moi c'est ma philosophie.
Après, chacun son modèle, hein, tu vois, on a tous un corps attitré, chacun fait bien ce qu'il veut avec le sien de corps. Personnellement, moi, je réfléchis comme ça. Crème de nuit, défi forme formulée à base de beurre de karité et d'extrait de mauve qui nourrit la peau, aide à décompenser la perte d'eau durant la nuit. Parce que la nuit, tu transpires. Moi, franchement, quand je me tape mon meilleur brushing avant d'aller me coucher, je me réveille le matin, je suis toute frisada, là. Tu vois? Parce que bah, la nuit, tu transpires. Vitamine E apporte un soin complémentaire aux antioxydants. Par contre, attends, ils disent pas que ça sent le fruit confit comme dans le masque. Alors là, je suis dégoûtée par contre. Ça doit pas être la gamme fruit confit. Ah, y'a me dégoûtée. Ah non. Nous avons un soin bio-réconfortant pour les yep. Alors ça, c'est très bien. Hein, mais moi, pied, des fois, je les mets sur mes mains. C'est une crème. Ça hydrate. Soit les pieds ou les mains, c'est quoi la différence? Encore plus, tu vois, pour les pieds, tu te dis, c'est encore plus... réparateur en fait, puissant, donc sur les mains ça doit bien marcher, enfin moi les crèmes pour les pieds je les mets sur les mains, bref. De la marque Olution, Olution qui est une très bonne marque, elle coûte 18 €, en été, ouais dans les tatanes, tu vois comme t'as les pieds qui sont souvent à l'air, et bah ils s'assèchent plus vite, donc bah crème pour les pieds l'été, voilà. Personnellement je prends les crèmes pour les pieds au menthol, comme ça, ça décongestionne, c'est parfait. Goud répare les pieds abîmés en leur apportant toute la nutrition dont ils ont besoin. Sensation immédiate de confort. Mettez une noisette de crème sur les pieds propres. Bon, oui, hein, tu fais pas, tu te mets pas tout le tube sur des pieds après avoir fait un trek pieds nus. Non. Bon, une huile végétale de que. Alors avant, j'étais adepte à l'huile de coco, notamment pour mes cheveux. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'asséchait à fond les cheveux. Du coup, moi, je suis passée à l'huile végétale de noisette. Vraiment, si j'ai une huile pour tout à vous conseiller, c'est l'huile végétale de noisette. C'est génial. Franchement, elle est pas trop grasse, elle sent bon et elle est hyper, hyper efficace. Que ce soit pour le démaquillage, pour les soins des cheveux. Moi, ça me fait les cheveux d'une brillance et d'une douceur après. C'est génial. Ça se rince bien. Toujours super bien. Franchement, voilà, l'huile végétale de coco, l'été, après les coups de soleil et tout, tu te mets ça. Ou pour te démaquiller... Pour te démaquiller, c'est bien, c'est cool. Ça, c'est toujours bon. C'est un contenant en verre parce que quand tu achètes de l'huile, ça, tu vois, c'est ça qui est chiant sur Aromazone quand je prends l'huile de noisette, c'est que le contenant, il est en plastique. Et l'huile et le plastique, tu vois, au bout d'un moment, ça s'amalgame et c'est pas génial. Quand tu achètes de l'huile, c'est mieux dans un contenant en verre. 8,05 €, très bien. Apparence solide jusqu'à 25 degrés et après, elle se liquéfie. Si par exemple tu l'utilises en hiver et que c'est tout liquéfié, moi je prends le cul d'un pinceau, hop j'en prends et puis après tu mets sur ta main, tu chauffes, c'est liquide. Nous avons de la marque Carétic, une mousse nettoyante et exfoliante à 18 €, sorbet ananas. Adapté pour le nettoyage quotidien du visage, moi vous le savez, j'ai une routine totalement naturelle, 100% naturelle, sauf... pour mon gel nettoyant visage qui est le Cleanance d'Aven. Je n'arrive pas à trouver un gel nettoyant qui soit aussi efficace que lui. Bon, ça sent pas l'ananas du tout. Ça sent médicament. Enzyme d'ananas, karité brute certifiée bio, convient à tout type de peau, même les plus sensibles et réactives. Appliqué sur eau humide, bon bah tu sais te laver le visage. Hein ? Coûte 18 € les 100 ml. Ah, c'est la fin ! Oh bah c'est la fin, Germain. On a la... Beautiful Box, donc qui nous propose plusieurs destinations. Donc il y a Tahiti, Provence, Inde, Bali et la Polynésie. Personnellement, je commencerai mon petit trek à travers le monde par la Provence. Je m'approvisionne en lavande. Ensuite, Bali. Bien évidemment, pour parfaire ce bronzage, tu vois, les prémices, et ben pour, tu vois, accentuer la bronzitude. Et après, non. Provence-Bali, pas trop, pas trop. Voilà, il faut se poser, juste se poser, tu vois. Moi, je suis pas trop une meuf, aller dans les avions, jet lag et tout, bordel. C'est pas bon pour le teint. Donc, non, Provence-Bali. Très bien, parfait. Je suis pas compliquée. Qui a dit que j'étais compliquée, personne. Le mois prochain, on a une gelée micellaire qui s'appelle Maya. Maya, c'est qui? Si t'es un vrai, tu sais qui c'est, donc tu le mets en commentaire. Et puis voilà, tout le monde est content. On sait où on en est. Alors, je vois déjà un produit, moi, cette marque,
I love it. Tant au niveau des packagings qu'au niveau du produit en lui-même, là, je suis trop contente. C'est les produits Lafarge. Alors ça, j'avais eu un gel douche, j'avais surkiffé l'odeur, mais vraiment. J'avais eu un shampoing, j'avais surkiffé l'effet sur mes cheveux, mais vraiment. Et là, nous avons Verger de Provence, eau de fruits. Ah, peut-être ils nous ont fait un produit de chaque destination. Alors Provence, j'aurais pas pensé à la pomme, tu vois, mais bon. Geste quotidien matin et soir après votre démaquillage et ou nettoyage de votre peau. Pulvériser directement sur votre visage et votre cou. Tapoter, faire pénétrer. Ah oui, c'est comme un petit tonique. Moi. Oh ben ça sent le jus de pomme qui sort du verger, tu vois, le truc natural. Alors moi, ça, je me mets pas sur mon visage. Je me mets sur mes habits. J'adore la marque Lafarge, j'adore la marque Lafarge. Ensuite, ah ça y est, qui dit soleil dit quoi? Crème solaire, sunscreen. Et ce qu'il y a de bien dans les box comme ça, c'est qu'en général, les sunscreen, les crèmes solaires, elles sont gentilles avec les coraux dans la mer. Oh ben regarde! Eh, j'ai pas fait que ce prix. J'adore. Donc, une fois, j'étais tombée sur une eau basse. Je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais vraiment, si je la retrouve, je te la mettrai là, juste pour t'épargner le body white, total white. Parce que tu sais, quand ce n'est pas des filtres chimiques, ben le blanc, il est beaucoup plus tenace. Donc, Alpha Nova Sun, je ne connais pas, je n'ai pas encore testé. Spray haute protection, sans filtre chimique. Spray solaire, visage et corps, SPF 30 waterproof. Très bien. Bon, bah, c'est génial. Hein. Je te montrerai les petites cartes Asda après. Hein. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Jambes de gazelle, lotion après épilation. Ah, c'est génial ça. Plus douce, plus longtemps. Parce qu'en fait, moi, tu vois, je m'épile avec l'épilateur et après, je me mets du beurre corporel. Mais en été, le beurre corporel, it's not my friend at all. Vraiment, je déteste ça. Et si on peut avoir une petite lotion, tu vois, toute légère et tout, c'est génial. Apaisant, adoucissant, limite la croissance des poils. Camomille romaine bio, d'origine France. Allantoin gymnema. Texture spray frais, non gras, séchage rapide. Fabrication à froid. Parfum monoï, sans alcool. Eh, c'est génial ça! Ouais, ça sent fort par contre. Ça sent le bébé monoï. Tu vois? Et moi, mes odeurs, c'est les feuilles quand il pleut. Donc bon, ça sent un peu fort, mais bon, moi après, voilà, sur les jambes, un odorat surdéveloppé, mais bon, ça va quoi. Ça va quand même. Ensuite, un autre pchit-pchit. Je m'en cherchais plein des pchits. Quand ce sera vidé, ça sera parfait. Parce que je t'explique. Regarde Zelda comme elle a grandi. Ah! T'as vu comme elle a grandi? Elle est belle, hein? En fait, je l'arrose une fois par semaine. Enfin, je mets un petit arrosoir au-dessus. Elle est trop chou, tu vois, elle est trop bien traitée. Et entre les deux arrosages, quand il fait chaud, je la pulvérise. Et il me fallait un pchit-pchit. Donc, pour l'instant, j'ai celui-là, qui est très chou. Si tu vois, c'est une petite déco, c'est pas mal. Hein. Et donc, voilà. Mais des pchit-pchits comme ça, c'est bien pratique pour arroser tes petites plantes, si tu ne connaissais pas l'astuce. Elle est trop sympa. Franchement, elle grandit de ouf. J'ai jamais réussi à tenir. Tu sais, j'avais ma plante carnivore là, mais alors elle. Oh, Céleste, elle s'appelait. Trop une peste. Elle voulait pas grandir. Ah, elle m'a saoulée. Bref. Elle était morte au bout d'une semaine, je crois. Mais Zelda, elle est trop sympa. Une brume parfum My Sunrise de Purabali. Alors, ça, en général, les produits que j'ai eus de la marque Purabali, ça sent très très fort. On va voir. Ouais, ça sent très très fort. Vraiment, c'est pas du tout mes odeurs. Ça sent le parfum. Parfum. Plus, plus, plus. Fragrance marine. Quoi? Marine. Marine. Ah non. Là, tu vois, j'imagine une femme d'une cinquantaine d'années, habillée avec un sac Chanel, hyper chic. Des grosses lunettes blondes avec un brushing et qui va aller faire une croisière. Voilà comment j'imagine une femme qui pourrait porter ce parfum.
assez fort. Une fleur qui sent fort. Bon, Marine, pas du tout. Frangipanier enveloppante à la note d'une brise matinale balinaise. Ah, c'était ça le produit de Bali? Oh, bah non, alors. J'irai pas à Bali, ça sent ça. Formulation aqueuse sans alcool. Vaporisée sur les cheveux et sur le corps. Idéal pour la plage. Ah non, mais alors ça, tu vois. Ça, c'est un truc qui me saoule à la plage. C'est la plage, ça sent bon, ça sent la mer. Et t'en as ce foutu parfum à la plage. Et ça, là, tu vois, ça, c'est le genre. Voilà. Ça, c'est le genre de femme qui m'énerverait à la plage si elle mettait un truc comme ça. Donc, ben, pas pour moi. Voilà. Ensuite, nous avons un petit rouge. Oh, j'adore. J'aime bien la couleur. 109. De la marque Boho. Moi, Boho, j'adore. Franchement, j'en ai. Oh, j'adore. Oh, j'aime bien. J'en ai 4, je crois, de cette marque. Et je les adore parce que... oh, j'aime beaucoup. Ça ressemble beaucoup au premier rouge à lèvres que je me suis acheté. Quand j'étais petite, je me rappelle, c'est mon grand-père qui m'avait donné les sous à Yves Rocher. C'était un nude comme ça. Ah, voilà. Voilà ce que je dois supporter. Excusez-moi, je vous aurais normalement prévenu parce que vous avez eu un montage, hein, pardon. C'était un petit nude rose comme ça, j'ai adoré, il m'a fait chaud ce con. Oh! Et la marque Boho, j'adore parce que c'est des très jolies couleurs et à l'estompe, c'est uniforme, tu vois. Boho Green Makeup, 9,95€, en plus ils sont pas trop chers et vraiment, ils sont très très jolis. J'aime bien, avec le petit bronzage un petit peu, tu vois, j'aime bien. De ricin et de la cire. Candelilla, assouplissante, excellent pouvoir filmogène, adoucissant, réparateur, longue tenue. Cette petite eau de fruits de pommes, ça me donne envie de faire une compote. J'ai des pommes, je crois, en plus. 17,90€, vertu antioxydante, revitalise et protège la peau, propriété stimulatrice et régénération cellulaire. Elle est parfaite cette petite water de Apple. Elle a un tote bag avec, tu sais, l'odeur de la dame qui m'énerve. Il y avait le tote bag avec. Alors moi, les tote bags comme ça, un peu chinés, là, qui font vraiment boutique bio, j'adore. J'ai vraiment l'impression d'être hyper nature peinture. Quand je vais à ma biocop, là, oh là là. J'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. L'entrée, elle coûtait 20€ quand même. $20. Aqueuse, appliquée directement sur la peau, ok. Note de tête, marine, algues, embrun. Alors si t'aimes l'odeur des algues et des embruns, tu vas à la mer en fait. T'as pas besoin de te mettre ça à la plage pour sentir les algues et les embruns, non. Non, tu sens pas du tout les algues et les embruns. Note de cœur, fleur blanche, jasmin, frangipanier. Et note de fond, musc blanc. Alors le jasmin, ça sent fort, mais c'est pas ça. Ça doit être le frangipanier, sûrement. Mais ça sent pas la galette des rois. Ah non, mais pas du tout. J'aime pas du tout. Mais le tote bag, je garde. Tu vas faire quoi? La cupine Alpha Nova qui coûte 11,95€. Exposition au soleil. Bah oui, hein. Oui. Mais pas ça quand il pleut, hein. Chimique et sans oxyde de zinc. Pourra être utilisé dans l'eau sans créer de pollution pour l'environnement. Fermez les yeux avant de vaporiser. Ça y est, la Beautiful Box, moi j'adore. Vraiment. Ferme tes yeux hein, avant de... Alors ça, génialissime, j'adore, j'adore. 22,90€. It's cher, hein. Trait de feuilles de Jimena, bon ça je t'ai déjà dit, hein. Réduit la croissance des poils. Ouais, c'est super cool ça. Ça, j'aime bien, je te dirais. Il y a eu du suspense, du rire, de la passion, des pleurs, un peu de tout dans ce petit, cette petite vidéo, j'ai envie de te dire. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. Je t'ai dit, je ne me force plus, moi, pour filmer. Hein, tu l'as remarqué. Je crois que ça fait 2 dimanches que je t'ai pas venue. 2 dimanches. Ah, je t'ai pas traqué. Ah, je t'ai pas traqué, je t'ai pas bien, non. Alors, j'ai pas filmé, tu vois. Mais là, c'est bon. J'avais envie. Alors, je t'ai montré. Sur ce,
La bise. Et on se revoit parce qu'il faut que je te montre ça là. Mais je m'arrête pas, je m'arrête pas. Là, je devais lire un livre que j'ai vu sur les vidéos de Jenny. Tu vois, elle parlait de puzzle, de franc-tirer. Eh ben, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Mais sans la lessive. Les gens, mais ils font quoi? Tu mets ton livre dans la machine à laver? Je suis dégoûtée. Donc je vais le remettre sur mon Vinted. Voilà, à moindre coût. Et puis moi, je vais m'en retrouver un. J'espère qu'il va pas sentir Myrlène. Parce que ras le fion, là. Se faire entuber, là. On est où? Bah, à bientôt. À bientôt. Tu sais quoi? À bientôt pour l'apéro, amène les cacahuètes. On fait comme ça? Allez, la bise.